Donc, nous avons deux conceptions du chef. Le chef équinoxial, le chef solstitial. Le chef solstitial, il est là simplement pour permettre aux différentes populations faisant partie de son espace de cohabiter. Alors, on trouve toutes sortes de moyens. On touche pas aux choses, mais on les distribue dans l'espace. Bon. Le chef équinoxial, lui, a des ambitions beaucoup plus fortes. Il veut véritablement rechercher l'unité, non pas par le haut, en unifiant artificiellement les divers clivages, mais par le bas, en s'appuyant sur des réalités anthropologiques, historiques, très anciennes. Et ce sont des épistémologies complètement différentes. C'est l'opposition entre le droit et la science, en quelque sorte. Le droit qui est solstitial et la science qui est équinoxiale.